Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on monte le boîtier électronique de la MC4X. Donc ça va vous permettre de bien voir toutes les étapes, qui sont bien évidemment détaillées dans la notice, mais là vous les verrez en direct. Alors je ferai certaines parties en vitesse normale, et puis je vous donnerai quelques détails, et je ferai certaines parties en accéléré, parce que voilà, elles ne nécessitent pas d'explication particulière. Alors, avant de commencer, je vous rappelle quelques petits rappels sur les outils que je vais utiliser, que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, ma pince coupante, que j'ai donné sa référence dans une précédente vidéo. Ma pince à dénuder. Ma pince à sertir. Alors, vraiment, je vais vous faire une petite démonstration, si vous n'avez pas de pince à sertir, de la façon de souder les cosses plutôt que de les sertir. Et il faut également un poste à souder, enfin un fer à souder, plus qu'un poste à souder. Au niveau un cutter aussi, ou alors pour ceux qui vraiment sont super équipés, un jokari pour dégainer les câbles électriques, mais un cutter ça marche très bien. Alors la pince coupante, c'est pas nécessaire, une paire de ciseaux ça fonctionne aussi hein, pour les câbles électriques. On n'est pas sur du haut de la grosse section, donc ça fonctionnera bien. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, avant ça, évidemment, j'ai téléchargé la notice. Hein, elle est j'ai la notice PDF, elle est aussi en ligne. Vous l'avez sur une tablette, sur un ordinateur. Ne l'imprimez pas, ça ne sert à rien. Elle va vous servir qu'une fois. Donc, elle est prête à servir ici. C'est parti. Donc on a donc ici les différents éléments, vous avez le boîtier en tôle, ici la carte interface, le cordon de 120 volts, bon là j'ai ma soudure avec mon fer à souder, que j'allume. Alors attention, ça va bouger, voilà. L'alimentation 48 volts, l'alimentation 12 volts. Quelques vis de la visserie, le câble électrique, ciseaux ou pince coupante, la pince coupante, un petit réglet, les tampons de feutre autocollants et puis les différents petits accessoires, ici pour les câbles. Donc, on va commencer par s'occuper de ça, le câble électrique. Alors le câble électrique, il faut le couper à 30 cm d'une extrémité, donc on va mesurer 20 et 10. Voilà, ça n'a pas besoin d'être ultra précis, c'est à 30 cm de l'extrémité qui a la cosse. Hein. Donc hop, on coupe. Et maintenant, il va falloir enlever la gaine. Hein, alors d'abord, on va commencer ici. On va l'enlever sur 10 cm. Alors surtout, faites très attention lors de cette opération. Prenez votre temps parce que il faut surtout pas entamer l'isolation des câbles intérieurs. Hein, surtout que là, il y a vraiment juste de la gaine plastique autour des câbles intérieurs. Donc, ça, il faut prendre son temps. Et donc, je vais chercher un cutter. En fait, il me manquait un cutter là dans tout ce que je vous ai montré. Et on va, je vais d'abord faire une petite entaille tout autour ici. Et ensuite, dans la longueur. Et ensuite, l'ouvrir progressivement. Hein, vraiment important. Pareil, de l'autre côté, c'est... on va aussi enlever ici la gaine, mais seulement sur 5 cm. La même chose, on fait attention, vraiment très attention, à ne pas attaquer l'isolation des câbles intérieurs. C'est vraiment la petite opération qui demande un peu de minutie et de temps. Le reste, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins sensible. D'accord ?
Donc là, on va devoir utiliser le boîtier en tôle. Donc je vous conseille de tout de suite mettre les tampons en feutre en dessous. Comme ça, ça évite de rayer la table. Voilà. Donc là, j'ai mis mes deux câbles qui vont de sortie de l'alimentation. Et maintenant, il faut que je mette les câbles d'entrée. Mais d'abord, le câble d'entrée doit d'abord passer au fond du boîtier. Donc on le met dans le passe-câble. Là, on a un passe-câble à l'arrière hein, qui sert à protéger le câble. Et par contre, on va le faire avancer beaucoup. Et on écarte le boîtier ensuite. Comme ça, on peut travailler sur l'alimentation. Voilà. Et on veille bien sur... Donc, on va alimenter à la fois... sur chaque bornier, il y aura deux câbles, un de chaque côté de la vis. Donc, on fait ça soigneusement. Il y a la place. C'est prévu pour que tout se mette bien, tout soit bien serré et que ça bouge plus après et ça soit durable. Et surtout, on ne met pas de soudure nulle part là. Parce que si on soude, on crée des points durs et des endroits où il y a qui peuvent après casser. Donc là, on n'est que sur du sertissage ou du vissage. Alors on a le montage terminé là, avec une jolie lueur rosée là, je ne sais pas d'où ça vient. Donc la carte qui est sur ces petits salen blocks ici, bien fixée. Le câble d'alimentation des moteurs qui est plugué. Et ici on a l'alimentation 48 volts du fil qui est parfaitement serré dans son bornier. Et les fils ont été bien torsadés avant pour pas qu'il y ait de court-circuit. Donc là, on va plugger les différents interrupteurs, le potentiomètre, l'arrêt d'urgence. Là, on aura l'écran LCD. Et puis après, ici, il y aura les moteurs. Et on a le bornier pour la sortie du fil aussi. Donc on a un boîtier bien ventilé, hein, vous voyez il y a des ouvertures de partout et on a une alimentation qui est ventilée en fait, il y a des caisses mises en route, il y a un petit ventilateur qui tourne, c'est prévu, hein, vous avez les orifices d'extraction, ce qui fait que, et ici vous avez aussi une entrée d'air, hein, ce qui fait qu'on a l'intérieur du boîtier qui est en permanence bien ventilé. Voilà, on continue avec le montage de la façade. Alors, je vais commencer par préparer mes câblages. Donc j'ai des câbles de 17 cm. Alors il y a deux câbles de 19. Hop. Et après il y a des câbles de 17. Donc là, je vais tous les équiper avec des cosses. Les cosses à sertir. Je vais
vous montrer que si vous n'avez pas de pince à sertir, c'est possible aussi de souder ces cosses. Alors c'est normalement, il faut éviter, mais comme ici on est dans un boîtier où il n'y a pas d'effort sur les connecteurs, les câbles ne bougent pas, que ce soit ceux des moteurs d'ailleurs, ou ceux des... 2, 4, 6. Que ce soit ceux des moteurs ou ceux des interrupteurs, on peut se permettre d'utiliser de la soudure. Ça ne pose pas de problème de longévité. C'est plus le cas sur les câbles d'alimentation, il faut faire attention. Là, on est sur les actionneurs, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de courant fort qui passe dedans. Alors, d'abord, on dénude. Alors, côté l'âge des nudes pour le sertissage, je dénude à peine 2 mm, hein, entre 2 et 3 mm. Donc sertissage, une pince que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo, je vais vous mettre le lien, qui fonctionne vraiment bien. Je l'ai réglé par contre ici, j'ai descendu d'un cran ou deux, je ne sais plus, parce qu'elle serrait trop fort et après l'écosse avait du mal à sortir. Donc on les met ici au ras. On rentre de 2 mm à peu près la gaine dedans. Et quand on sertit, on a à la fois... la gaine qui est prise donc sur 2-3 mm. Et ici, on a le conducteur qui est lui aussi parfaitement serti. Alors, la pince peut légèrement tordre la cosse, et donc on peut éventuellement parfois avoir besoin de la redresser avec les doigts. Normalement, quand elle est bien sertie, elle va rentrer dans le connecteur, alors ça c'est ici un 19, assez facilement. Donc on rentre, et si à un moment on voit que ça force, alors là ça n'a pas forcé, je suis arrivé jusqu'au bout, si à un moment on voit que ça force, surtout on ne continue pas, on prend un tout petit tournevis et on appuie sur la cosse par derrière, hein, jusqu'à ce que ça sorte parfaitement par la lumière, et on le voit, on voit que ça joue et que ça revient en butée, on ne peut pas le ressortir. Alors si vous n'avez pas de pince à sertir, comment vous faites? Vous prenez une cosse, vous prenez vos cosses, que vous allez faire, c'est que en fait, la première partie qui sert à tenir à la liaison mécanique sur la gaine, on va l'enlever à la pince coupante, donc ou au ciseau, hein, avec des ciseaux un peu robustes. Et vous allez garder que la deuxième partie. Comme on est sur un boîtier où il n'y a pas, c'est un câble sur lequel il n'y aura pas d'effort. Hein, une fois que ce sera immobilisé dans le boîtier, il n'y a pas de vibration dans une machine de découpe par fil chaud. Donc, on peut se permettre que la liaison mécanique soit faite uniquement par la soudure. C'est pas le cas tout le temps, hein, mais là, dans le cas présent, on peut. Donc, on resserre un petit peu la deuxième partie, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment étroite pour rentrer dans la cosse, hein, dans le corps plastique de la fiche, parce que si vous essayez sans la resserrer, vous voyez qu'on est plus large. Donc il ne faut pas oublier cette étape. On se met dans un support et on va étamer l'intérieur de la cosse. Voilà. Moi là, j'ai du fil, j'ai de l'étain 5 dixièmes, je chauffe à 340 degrés. Je préfère chauffer, alors c'est beaucoup 340 degrés, trouveront certains, mais moi je préfère chauffer fort et rester moins longtemps. Hein. Ça après. Là, j'ai mon câble électrique. Ce que je fais, c'est que lui aussi,
je l'étame. Et ensuite, voilà, j'ai juste à chauffer les deux. Alors, faut juste vérifier qu'il n'ait pas pris d'angle. Non, c'est bon. Donc là, il est parfaitement noyé dans la soudure, qui elle-même est dans le U de la cosse. Et donc, maintenant, j'ai juste à l'enfiler. Même chose, si on voit qu'on a un petit peu de mal, on pousse avec le tournevis jusqu'à ce qu'on entende le clic. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, là c'est quand on n'a pas la pince à sertir et qu'on ne veut pas en acheter. Voilà, le boîtier de la MC4X est monté. Il restera évidemment à passer les câbles moteurs et les câbles de la chauffe de part et d'autre hein, dans leur gaine de protection et à les connecter. Ensuite, on mettra le couvercle qui est ventilé, qui a des trous de ventilation également. Et tout ça, ça tiendra sous le boîtier de la MC4X. Donc c'est un boîtier, vous voyez, robuste, qui a de l'allure, qui est bien ventilé et qui est bien réfléchi en termes de conception pour prendre le moins de place tout en étant sécu et qui voilà qui est pas compliqué à assembler, à monter. Hein. Donc tout ça, ça c'est évidemment là, juste le boîtier de la MC4X. La MC4X, c'est pas juste un boîtier, c'est pas juste une machine de découpe par fil chaud. C'est aussi tout un système que j'ai créé. Et en ce moment, là où je tourne cette vidéo, eh bien, j'ai mis en place une page qui présente ce système sur mon site internet. Donc je vous invite à aller la voir. C'est donc sur cncfab.renaultis.com ou cncfab.fr pour l'URL raccourci. Et non seulement c'est une machine de... Je présente la MC4X en tant que machine pour l'aéromodélisme, mais aussi tout un système que j'ai créé autour, puisqu'il y a également un logiciel extrêmement performant, 4 axes, qui permet de faire des découpes incroyables. Il y a une formation en ligne, il y a un site de partage de projets, et puis il y a ces vidéos, des ressources, des articles. Donc découvrez ça. Je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Si vous connaissez des modélistes intéressés pour construire rapidement des avions, des beaux avions qui volent et pour les mettre en l'air en un minimum de temps avec un maximum de résultats, faites-leur découvrir le site, partagez la campagne. Alors, cette vidéo est plus particulièrement destinée aux gens qui veulent monter un kit, hein, mais c'est aussi un peu une démonstration de la qualité de ce que je peux produire et de la pédagogie que je cherche à mettre en œuvre dans tous mes contenus. Je vous dis à bientôt, alors j'espère avec des vidéos où il y aura un peu plus de réalisation, de découpe, qu'on voit du fil faire fondre du polystyrène. À bientôt !